les sons qu'on a captés, qui sont les sons d'avion. Nous, on a utilisé les différentes valeurs que donnent les capteurs dans le smartphone. Et à chaque fois, on a allié un son qui est modulé en fonction du geste qu'on va faire. Donc il y a le son de base qui est bouclé, qui est celui de la vitesse de croisière, et qui est présent tout au long du voyage. Ensuite, on a le déplacement à la verticale, qui représente soit la chute libre ou le décollage ascensionnel. Il est corrélé à la tonalité sonore, soit aiguë ou grave. Et ensuite, on a le tangage, qui génère un nouveau son, celui du virage. Et enfin, il y a un petit pot d'échappement, donc on voit en dessous ici, qui permet d'amplifier le son.